يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Donc c'est pour ça que c'est important que nos enfants y soient vertueux. Et la vertu de tes enfants est le reflet de ta vertu toi-même. Et vous savez qu'il a rapporté un certain hadith que il abnou Adam ramal illa min falas. que si l'être humain il meurt alors il n'aura plus de récompense de ses actes. C'est-à-dire que ces actes qu'on appelle ramal taqlifi, les actes qui sont relatifs à sa responsabilité, les actes par lesquels il acquiert des récompenses pour le delà. Ils sont interrompus par sa mort. Une fois qu'il est mort, il ne peut plus œuvrer pour avoir des récompenses dans au -delà. Il a mis le delà. Et la mithalas sauf de trois choses. Il y a trois choses qui sont des causes pour que la personne, elle continue à avoir des récompenses après sa mort. Vous savez que dans certains hadiths, c'est rapporté que il y aura des parents qui, dans le delà, ils verront des récompenses arriver, ils ne savent même pas d'où elles viennent. Ils disent mais ça, ça ne vient pas de nos actes à nous et leur sera dit ça provient de la demande de pardon de vos enfants pour vous après votre mort. À dire que quand ton enfant il invoque pour toi après ta mort, également tu as des récompenses pourquoi Parce que c'est grâce à toi que ton enfant il invoque pour toi. Est-ce que toi au moins tu as appris à tes enfants de faire les que Certains savants ils ont dit que c'est un devoir pour l'enfant musulman après la puberté de faire au moins une fois dans sa vie l'Istighfar pour ses parents, de demander le pardon en faveur de ses parents, qui demande à wa Azawajal qui pardonne ses parents. Et s'il a fait cette obligation-là de une fois dans sa vie, après il a beaucoup de récompenses à le faire. Euh, après cela, comme on le verra plus tard dans les cours, Insha Allah, il y a des parents ils n'enseignent même pas à leurs enfants de faire des tifal. Et quand ils meurent, bah, leurs enfants, ils pensent même pas à faire des tifal pour leurs parents. Et ça, enseigne-le à tes enfants avant ta mort, à dire habitué tes enfants dès qu'ils sont petits, à dire la wali daya wacham kama rabbayani sorira, comme c'est marqué dans le Quran, où Allah fais moi mes cordes, ainsi qu'à mes parents, et pardonne-leur, tout comme eux, ils m'ont élevé quand j'étais petit. C'est pas que tes parents, quand ils étaient petits, ils se sont occupés de toi, etc. Ben, tu demandes à Allah qu'il leur fasse mes ae tout comme eux également, ils étaient compatissants envers toi quand ils étaient petits, ils t'ont protégé. cest dire eh ben ça, si tu habitues tes enfants quand ils sont petits, après ils grandissent sur ça, et après ta mort, ils continuent à pour toi. Certains savants, pas tout ça, mais certains savants, ils vous c'est un devoir qu'au moins une fois dans sa vie, quelqu'un, il fasse Stirfahl pour ses parents. Ses parents musulmans, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu ne pardonne pas à quelqu'un qui n'est pas musulman jusqu'à, qui n'est pas croyant, jusqu'à qu'il entre en islam. Donc si quelqu'un, il est converti, ou quelqu'un, ses parents ne sont pas musulmans, ben, il invoque Allah pour qu'il guide ses parents. D'accord Mais il ne dit pas oh, Allah pardonne à mes parents tout seul comme ça. D'accord Il dit pardonne leur en leur faisant entrer en islam, par exemple tel que cela. Donc, muslim, il rapporte, adam, il illa min thalas. Donc, c'est le, l'imam qui rapporte que si le fils de adam meurt, si l'être humain il meurt, alors ses œuvres qui leur rapportent des récompenses seront achevées. Plus rien ne leur apportera de récompense, sauf trois choses. illa min thalas, Ça veut dire, ça veut dire une aumône qui court comme si quelqu'un avant de mourir il avait donné de l'argent pour la construction d'une mosquée ben après sa mort tant que cette mosquée là elle est sur terre il a des récompenses tant que la mosquée elle est utilisée si quelqu'un avant de mourir durant son vivant il a donné son argent pour que payer une voiture à son épouse par exemple ben, s'il meurt et que son épouse a continué à utiliser la voiture eh ben il a des récompenses si quelqu'un il plante un arbre c'est que c'est de planter les arbres fruitiers. Et que le prophète, il a dit, dans chaque estomac d'un être vivant, il y a des récompenses. Même si tu donnes à boire ou à manger un chien, il y a des récompenses aux pigeons, aux canards. Donc, si quelqu'un, il plante un arbre fruitier, le prophète Mohammed, nous a enseigné que tant que les oiseaux et les humains et les animaux mangent cet arbre-là, la personne, il lui rapporte des récompenses. Un arbre fruitier, ça peut vivre 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Donc quand tu plantes un arbre, bah, tant que l'arbre est debout, tu as des récompenses. Hein, que les musulmans avaient pour habitude de planter des arbres fruitiers, des dattiers, des, des noyers, des pommiers, des cerisiers. Si vous avez l'occasion, si c'est un jardin de ça, plante un arbre. Un arbre qui dure longtemps. Enfin, comme un noyer, ça dure très longtemps, les noyers. Pas enfin, un bananier en France, il va mourir au, au bout de trois hivers. Mais euh, certains arbres comme ça, qui durent longtemps, des pommiers, tout comme ça. Bah, Les pommes, il y a les oiseaux qui vont en manger, il y a les humains qui vont en manger, les cerises, tel que cela. C'est des qui, qui durent longtemps en général, les, les noyers, les cerisiers, tout ça. Ben, tu as des récompenses. Tu as des récompenses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Sardar Kajar. Il y a ça peut-être beaucoup de choses qui rentrent dans ce jugement-là. Après, il a dit, Et une science qui est profitable. C'est-à-dire que toi, tes enfants, tout ce que tu leur as appris dans leur enfance, si tu leur as appris à faire le woudou, à faire la prière, à jeûner, etc. Ben, chaque fois qu'après, la personne, l'enfant va faire le woudou, la prière, tu auras des récompenses. C'est toi qui lui as enseigné ça. La religion est enseignée à tes enfants. Eh ben, à chaque fois que tes enfants, vont pratiquer la religion en appliquant ce que tu leur as enseigné, il te reviendra une part de récompense. Et ça, c'est imminent Seul Allah, un wa ta'ala, sait combien as de récompense si t'as enseigné à tes enfants. Vous vu, la baraka, d'éduquer nos enfants. La baraka, les bénédictions, ça t'est profitable durant ton vivant et après ta mort. Et même tes enfants, après, te le rendront plus tard, Inch'Allah. Imagine combien tes enfants te respecteront dans, de là, mon père, tu m'enseignes la religion, ma mère tes enfants, ils auront encore plus d'amour envers toi. Ils diront, ça c'est mon père, il m'a appris à prier, il m'a appris à rester le col -en, ma mère, elle m'a appris à faire le voulou, ou Et tout ça, c'est des choses, il faut pas négliger. Et plus tard, tu en verras les fruits quand tu auras tes enfants vertueux qui penseront à toi. Et même après ta mort, ils penseront à toi, ils prieront pour toi. Ils ne seront pas dans la rue à la pente de la mosquée, comme on expliquait dans le premier cours, et ils ne sauront pas faire la prière. Tout ça, c'est des récompenses qui te profiteront même après ta mort. Que Dieu nous accorde cela. Amen. Que Dieu nous accorde cela. Amen. C'est pour ça que dans la suite du hadith rapporté par Muslim, prophète l'a dit, et un enfant vertueux qui invoque pour lui. Et un enfant vertueux qui invoque pour lui. Comment l'enfant il sera vertueux à la base si toi tu l'as enseigné la religion de la bonne manière? Après, c'est possible que ton enfant il apprenne la religion à quelqu'un d'autre, mais tu auras manqué la récompense de l'avoir enseigné et tu n'as même pas la garantie que quelqu'un d'autre lui enseignera la religion. Et en général, les enfants, les premières personnes de qui ils apprennent, c'est leurs parents. T'as des enfants qui apprennent le Coran, Pourquoi ils veulent rester le n Parce que tous les soirs ils voient son père rester le n. N'exigez pas cela. Au lieu juste de dire des mots à vos enfants. Ça, c'est un que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne, et l'a Au lieu juste de crier sur vos enfants et de dire des mots. L'enfant, il apprend des fois beaucoup plus par ton état que par ta parole. Si l'enfant, il voit que tu fais la prière, alors, sans même que tu dises de faire la prière, il voudra de lui-même faire la prière. Tous les petits enfants qui ont trois ans, quatre ans, etc. Si l'enfant il voit de sa mère qu'elle porte le foulard, alors la fille elle voudra faire comme sa mère et porter le foulard. Si l'enfant il voit que son père récite le kol n, alors euh, l'enfant il voudra également rester le kol n et dire moi mon père récite le kol n tout le temps etc etc. avez compris ça Faut pas négliger cela. C'est-à-dire que n'oubliez pas que l'enfant il apprend beaucoup par ton état. Si l'enfant il voit que tu es calme que tu es posé, bah l'enfant il sera calme et il sera posé. Si toujours tu cries tu t'énerves, tout ça, bah l'enfant il, il fera comme toi. Parce que l'enfant quand il est petit, il imite beaucoup ses parents. Donc ce hadith-là, il signifie quoi Comme certains disent, quand t'es mort, ça y est, t'as plus de récompense, c'est fini, plus personne, c'est pas la peine qu'on reste le haine pour toi, c'est pas la peine qu'on qu fasse des aumônes pour, pour t'envoyer la récompense, tout ça. T'es mort, c'est fini, etc. Ça, c'est des gens qui sont ignorants dans la religion. N'est-ce pas qu'on fait la prière funéraire Quand tu fais la prière funéraire, n'est-ce pas que parmi les pieds, la prière funéraire dans l'école de Chaféry, c'est une invocation pour le défunt n'est-ce pas que dans la prière funéraire, tu récites et tu demandes la miséricorde pour le défunt Pourquoi on prie sur le mort si le mort ne profite pas de ce qu'on fait après sa mort Le prophète d'Assam, il a dit ⁇ Récitez sur la chiacin pour vos morts ⁇ Certains, ils ont interprété ici mort dans le sens de la métonymie, cest dire qu'il va devenir mort et pour celui qui est en état d'agonie. Et certains, ils ont dit même après sa mort. Et de toute façon, la prière funéraire, tu récites le coran pour le, pour le mort et t'invoques pour lui après sa mort.

Ah, tu dis, oh, esclave de Allah, fille, fils de l'esclave de Allah, de telle femme, mentionne et rappelle-toi le pacte que tu avais passé dans le bas monde, le témoignage qu'il y a de Dieu, que Allah, unique sans associé, que Mohamed est son messager, et que tu as accepté Dieu comme Seigneur, et comme euh, l'Islam comme religion, et Mohamed comme prophète, etc., etc., etc. etc. Ça a rapporté que la personne dans sa tombe, elle entend cela. Elle entend cela. Et tu, tu, appelles trois fois la personne, yar Abdallah, Ibn Amatillah, Oh, un tel fils de, un tel, tu sais le nom de sa mère. Parce en tous les cas, tu es sûr qu'il a fait à sa mère, à la base. Trois fois, et le mort, il, et après, il, il, il t'écoute comme ça, et après, il dit, Al-Shidni, al Allah guide-moi que Dieu te fasse mes récordes. et après, toi, tu lui dis, toi, t'entends pas le mort, mais le mort, il t'entend. Et après, si tu as fait le, ce qu'on appelle le talqin, et ben, quand il y a Munkar les deux anges qui arrivent pour interroger le défunt, et ben l'un des deux anges, prend prend la main de l'autre et dit qu'est-ce qui nous retient auprès de quelqu'un qui a déjà donné sa réponse. Et les anges ils repartent et ils l'interrogent pas dans sa tombe. Et l'interroge pas dans sa tombe parce que pour celui qui est mort sur l'islam, quand tu mets dans sa tombe après quand la terre elle le remet sur lui, tu fais ce qu'on appelle le talqin. Tu appelles le mort et tu lui demandes qui témoigne. Qui, qui bien sûr euh, témoigne, il est déjà mort musulman, mais c'est pour euh, qui qui témoigne de, du pacte qu'il a fait dans le bas monde Et les anges du coup, ils vont pas l'interroger. Donc le mort il profite de plein de choses après sa mort. Et d'ailleurs les savants ont expliqué ce hadith. Ça veut dire que comme ce mort-là était la cause de sa sœur Drajali, c'était la cause de la science qu'il avait enseignée, c'était la cause que son enfant était vertueux. C'est pour cela que comme il en a été la cause, alors il en profitera après sa mort. Parce que durant son vivant, c'est lui qui a été la cause pour que ces choses-là soient enclenchées et engagées. Donc même quand il meurt, bah ça continue. Tant que cette chose-là est en cours, eh ben, il en tire profit même après sa mort. Il en tirait profit, bien sûr, durant son vivant et même encore après sa mort. C'est vrai que le musulman aussi, il pense à après la mort. Le prophète l'a dit, « Celui qui est intelligent, il l'œuvre pour ce qui est après la mort. » Et des fois, il y a des actions que tu fais durant ton vivant qui te profitent même encore après ta mort. Même encore après ta mort. Comme si quelqu'un fait construire une mosquée, ou si quelqu'un fait une aumône qui court, ou quelqu'un plante un arbre, ou quelqu'un il enseigne à des enfants de la religion, même si ce n'est pas ses enfants même à, à, des gens comme ça, imagine le prophète Muhammad, à toute la science qu'il enseigne, jusqu'à aujourd'hui, on l'enseigne. On, on, mentionne sa parole, toute la récompense qu'il a. À chaque fois que des gens, citent des hadiths du prophète, le prophète, lui revient des récompenses. Parce que c'est lui qui les a dit, ces hadiths. Et le hadith, tu peux dire Tu peux mettre une kasra, On dit, c'est martouf. le mot salas, c'est ni illa min salathin Avec deux kasras Et après, tu peux faire, euh, mettre la kasra pour tous les mots d'après. C'est-à-dire euh, « Sadaqatun wa ou alors tu peux considérer que tu commences une nouvelle phrase. Dans ce cas-là, tu mets une domba, donc tu dis « Sadaqatun wa wa waladun Ça, c'est deux manières en grammaire que tu peux faire, d'accord Est-ce que tu considères que la deuxième partie où il cite les trois choses, c'est la suite de la première phrase Dans ce cas-là, tu mettras une kasra Ou est-ce que c'est une nouvelle phrase qui commence il dit sauf de trois choses, virgule, et ces trois choses-là sont, et après tu, tu vois, donc là c'est une dame, hein, si tu sous-entends ce sens-là. Mais si tu veux dire sauf de trois choses, et tu t'énumères ces trois choses-là comme étant la suite du, de la phrase d'avant, alors tu mets une kassra. D'accord Ça c'est en grammaire. cest ça que si quelqu'un a entendu le khadif, c'est pas faux non plus, tu peux dire les deux, d'accord Les deux, euh, c'est valable en grammaire, c'est pas faux de dire comme ça. De dire comme ça, ça ne change pas le sens du hadith. Que le prophète wa a dit. Et Allah Ta'ala Il a dit dans le Coran wa an al insani illa lama et que la personne n'aura ce que uniquement ce pourquoi elle a œuvré. Cette ayah ne veut pas dire que la personne ne profite pas de choses après sa mort, mais ça veut dire que à la base les fawabs, les, les, les récompenses qu'elle a, c'est forcément dû à quelque chose qu'elle a fait volontairement, à quelque chose qu'elle a fait volontairement. Et euh, n'est ce pas que, par exemple, si quelqu'un fait la prière funéraire sur lui après sa mort, n'est-ce pas que le mort il profite de cela? Alors, ça, on dit Pourquoi il profite de cela le mort? Parce que pourquoi il profite de cela le, le défunt? Parce qu'il était musulman. C'est-à-dire que le défunt a fait l'écosse durant son vivant pour bénéficier après sa mort des prières des musulmans. Vous avez compris ce sujet là? C'est à dire que même indirectement il a fait l'écosse pour que les gens il invoque pour lui. S'il n'avait pas été musulman, les gens n'auraient pas fait la prière funéraire pour lui. Donc C'est pour ça que les savants ont dit que cette ayah ne contredit pas le fait que le musulman il peut profiter des actions des autres après sa mort. Parce que le fait qu'il soit mort musulman, c'est en soi une cause pour que des gens invoquent pour lui, pour que des gens y fassent le hajj à sa place, pour que les gens y fassent des aumônes en son nom, pour que les gens euh, restent le quran pour lui, même si lui n'a pas demandé qu'on fasse ça. ça, ça veut même si lui n'a pas demandé qu'on fasse ça, mais le fait qu'il était musulman, c'est lui il a fait les causes pour qu'on fasse ça pour lui après sa mort. Donc ça rentre également dans les choses dont il a été aussi l'origine. Ça veut dire qu'il en profite aussi. C'est pas contradictoire avec la ayah. tout que cette ayah, à la base, elle concerne un autre sujet. Vous c'est quoi le contexte de cette ayah? C'est qu'il a été dit qu'Al-Walid El-Mourira, il voulait, croire en prophète Muhammad, salatou wa et qu'il était, il voulait entrer en islam, etc. Et il y a un, un mouché qui est venu le voir, comme ça, il a dit, mais toi tu, tu vas déclarer égarer nos ancêtres et tu considères que nos parents qui sont morts avant nous, ils iront en enfer. Et qu'est-ce qu'a dit cette personne-là, elle va mourira? Il a dit, quitte l'islam et moi je te promets que euh, je prendrai à ta place une partie de ton châtiment. Ça veut dire, euh, moi je te donne de l'argent pour que tu quittes l'islam et en échange tu quittes l'islam, bah t'inquiète pas, même si tu iras en enfer, moi je supporterai à ta place une partie de ton châtiment. Bien sûr, ça c'est n'importe quoi, il pourra pas faire ça. Et donc il a donné une grosse somme d'argent à El-Walid El-Mourira, el, -Walid el, el, -Walid el il a quitté l'islam, il a pris l'argent, et en fait cette personne-là, normalement il avait promis de donner plein d'argent, et en fait il a donné l'argent au début, et après il a arrêté de donner de l'argent. Donc il n'a pas tenu sa parole entière, mais après il a fait l'avare envers lui. Et donc Dieu, il a blâmé euh, les deux <laughs> parce qu'il a quitté l'islam pour l'argent et l'autre parce qu'il a dit soit disant je vais donner de l'argent et en réalité il n'a pas donné tout ce qu'il avait promis il n'a pas donné tout ce qu'il avait promis et il pensait soit disant qu'il allait assumer une partie du châtiment de Al-Walid Al-Muhir il y a des gens qui n'ont pas compris c'est quoi l'au-delà donc Dieu l'a révélé dans le Coran ça veut dire as-tu vu donc celui qui s'est détourné de l'islam et qui a donné un peu de biens matériels et après qui a arrêté de donner ça veut dire celui qui a quitté l'islam et il mourir avait quitté l'islam et la personne elle avait promis qu'elle allait donner une certaine somme d'argent elle donnait donné une partie après quand elle a quitté l'islam il l'a arrêté de donner le reste donc Dieu il a dit wa a'ta qali wa akda c'est à dire que cette personne là qui avait promis à lui de mourir il s'est détourné de l'islam il s'est détourné de l'islam et sous prétexte qu'il a donné de l'argent à El-Walid et au final il n'a pas donné tout ce qu'il avait promis est-ce que cette personne là qui avait promis soi-disant de supporter une partie du châtiment est-ce qu'elle a la science du raïb est-ce qu'elle a la science de ce qui est dissimulé pour prétendre soi-disant qu'il va pouvoir prendre une partie du châtiment ou, ou soi-disant certifier qu'il y aura un châtiment dans la là ou pas pour la personne ou alors il n'a pas eu l'information de ce qu'il y avait dans les feuillets de Moussa, alayhi salam, dans ce qui a été révélé, comme on dit tout à l'heure, au prophète Moussa, alayhi salam, wa Ibrahim et également ce qu'il y avait dans les feuillets de Ibrahim, alayhi salam, celui qui avait tenu ses promesses. Ça a été dit que Ibrahim, il a pas promis quelque chose sans qu'il le tienne. Et certains savants, ils ont expliqué cette aya par le fait que Ibrahim avait promis de ne pas demander à autre que Allah et donc, le jour, ils l'ont jeté dans le feu, et qu'il a failli mourir, mais Dieu a fait que le feu ne le brûle pas. Et quand l'ange Jibril, alayhi est venu pour secourir le prophète Ibrahim, alayhi et qu'il a dit, halaka min haja, est-ce que tu as besoin de moi? Et Ibrahim, alayhi salam, il a dit, wa amma min kafala, wa amma min allah et il a dit, de ta part, je n'ai pas besoin de toi, mais de Dieu, oui. Et après, il a dit, et le fait que Dieu, il sache mon état, ça me dispense de l'invoquer. la foi forte qu'il avait Ibrahim, alors qu'il était jeté dans le feu. Et Dieu, il a dit, <t 'en> Et Dieu l'a dit, et nous avons dit au feu, soit une fraîcheur et une protection pour Ibrahim. Et Ibrahim, il est tombé dans le feu et il n'est pas mort. Il y a juste ses liens qui ont brûlé, et ni son corps, il n'a brûlé ni ses habits, et Dieu l'a préservé, Ibrahim alayhi salam, elle est resté trois jours dans le feu, et Dieu l'a envoyé un ange qui avait pris l'apparence de Ibrahim pendant trois jours il est assis dans le feu et discutait entre eux. Et le roi Némorand il a fait construire un échafaudage pour voir ce qui se passait. et Il a été étonné. Il a dit :« Ibrahim, est-ce que le feu tenu ?» Il a dit non. Il « Est-ce que tu peux sortir ?» Il a dit oui. Et donc son plan a échoué. انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون